Et donc voilà les amis, on se retrouve directement. Donc aujourd'hui, pas de fond vert, on est tranquille, on se marre parce que c'est la saison que j'ai vraiment envie de me la faire, de me marrer avec vous. Donc on est parti directement. On a déjà le petit pass de combat, déjà le fond, vous pouvez voir qui a changé. Donc oui, je sais, mais c'est mon père qui me l'a fait remarquer. Je fais beaucoup de mouvements quand je parle, etc. Mais j'aime bien, c'est rigolo, ça met du dynamisme dans la vidéo, c'est cool. Donc du coup, on peut voir qu'on a, je sais pas si vous voyez la souris, mais à gauche de l'écran, on voit qu'il y a un petit peu une maison de pêcheur, mais un peu futuriste. Je sais pas si vous voyez avec des métaux, etc. Alors que c'est plus souvent une cabane en bois, parce qu'une cabane, c'est forcément en bois. Et puis voilà, donc on a tous mes petits amis, etc. Ça, on s'en fout. Donc on voit les amis qu'on a 1100 V-Bucks. Donc on peut dire merci à Pitivier en commentaire, merci Pitivier, mettez, je vais mettre ici, merci Pitivier, vous mettez en com hashtag merci Pitivier, à fond, en balle, ça fait plaisir, c'est tout, ça fait zizir. Donc dans la boutique, qu'est-ce qu'on a? Parce qu'aujourd'hui c'est vidéo détente, je vous explique tout. Donc on a Ocelot, donc un petit skin tranquillement qui fait plaisir, une skin nitescente, donc moi je trouve pas ça ouf. Après on a le skin embraseur, on a sa pioche luminolame, on a le technoptère, bon personnellement moi je kiffe pas trop. Après, on a le Triceratops 1, celui-là, trop beau comme skin. Mais je le préfère en mode noir, en mode, ouais, bah, je sais pas si vous voyez, mais en mode gothique, bah, je vous le mets directement à l'écran. Donc on a leur petit camouflage et on a le Rex, celui-là j'adore. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La Surfeuse, le skin de Grizzly Lazen, très bon joueur manette. Ensuite, on a la Chauffarde, on peut se l'acheter, mais on va pas l'acheter, sinon je vais me faire frapper par Pitivier. On a la Pioche Glaçon, bon bof, on a l'Electro-Shuffle. On a Piétinante, bon pas ouf, on a la Douce Liesse que j'ai déjà. Et on a les amis dans le pass de combat, on a, mais regardez-moi ce skin, Aquaman les gars. On a le skin là aussi là, oh là là c'est magnifique, j'ai trop hâte. Donc allez, on va se l'acheter directement, mettre à niveau, hop, je veux le pass, acheter. Ah là là, ah nickel, pass de combat déverrouillé, c'est nickel. Donc on débloque le petit skin Océane, pas ouf. Et le petit skin transit, lui je l'équipe directement. Cercle de poisson, pas ouf. Le parapluie perso, on va l'équiper. La vague océane, on va pas l'équiper. Virer en requin, attendez, on regardera après. Les doubles pioches tranchant marin, pas ouf. La bannière, 100 V-Bucks les gars. Oh là là, magnifique. Donc les 100 V-Bucks, c'est-à-dire que normalement j'ai 250 V-Bucks. Ah, nickel. Cliquez sur passe de combat, on va regarder tout ce qu'il y a dans le pass. Donc on a au début du pass, comme je vous l'avais vu, attendez je reviens en arrière. On a le petit skin Océane, donc franchement très très beau, j'adore. Avec trois styles que je vous montrerai après, bon là on le voit mais je vous montrerai après. On a le petit transit, moi personnellement c'est mon skin préféré des deux. Personnellement après chacun ses goûts, qui a des styles aussi mais je vous montrerai après. Ensuite on a la danse salto de héros, qui est stylé avec un des deux skins parce que moi j'aime bien. Après on a... Attendez, mais normalement j'ai 200 V-Bucks. Ah non, les V-Bucks là je les avais déjà. Ok. Donc ensuite on a des V-Bucks, le parapluie personnalisé. Donc pour ceux qui avaient vu l'ancienne saison, on avait eu Maya qu'on pouvait personnaliser. Donc moi personnellement je vais vous la montrer. Regardez ma Maya, sérieux. Voilà, elle est pas ouf. Elle est vraiment pas ouf. Elle est vraiment pas ouf. Donc du coup on remet le petit skin qu'on vient de choper. Donc là Océane, on va le remettre. Je sais pas c'est un skin de quelle couleur. Ça doit être un violet. Non, voilà, transit, le petit skin transit. Avec la pioche, pelle à neige, Aldente le combo. Donc ensuite qu'est-ce qu'on a? On a le petit L Ultra Gear. Donc c'est pas ouf, il y a aussi des styles. On va regarder. Ouais, en rouge, après ça va être d'une autre couleur. Bon bref. Amélioration du tap à terre. Donc ouais, ça va être toutes les améliorations qu'on pourra débloquer pour le parapluie perso. Donc je vous propose directement d'aller voir le parapluie perso, qu'est-ce qu'on peut faire avec déjà au début quand on l'a. Donc tap à terre, ouais, on peut toujours rien faire hein. On peut toujours rien faire. Donc on pourra le personnaliser. Donc faites très attention quand vous faites finaliser, parce que vous pourrez finaliser, vous ne pourrez plus faire de modifications. Donc choisissez bien. Regardez-moi, j'ai fait Maya comme je vous l'ai montré et je la regrette beaucoup. Mais bon, bref, ce n'est pas grave, c'était pas mon skin préféré du pass, mais bon. Ensuite, le courant sous-marin. Un petit camouflage pas piqué des hannetons, il est très très beau franchement. Ensuite, on a 100 V-Bucks, bon bref. Le Jonesy plongeur, donc lui, il est badass. Franchement, il est vraiment vraiment très très beau. Donc ensuite, on l'a, ouais, avec des masques, etc. Bon bref.
Ensuite, la danse riff imaginaire, donc voilà, pensez à la guitare. Bon, ça part directement en steak. La bouteille abyssale, donc à mon avis, c'est pour le. Ouais, c'est pour le skin Geodésie du plongeon, là, je sais pas quoi, Geodésie plongeur. Donc la petite traînée chute d'eau. Ah, celle-là, je pense que je vais la mettre. Je joue pas beaucoup de traînées pour ceux qui me connaissent. Je joue pas beaucoup de traînées, mais je pense que celle-là, je la mettrai. Donc je vous montre tout ce qui est important, hein. 100 V-Bucks, le petit planeur Elmarine. Donc celui-là, très très beau aussi. Les doubles pioches, les doubles. Oh! Non, les. Oh non, les gars! Ça va être des doubles pioches qui peuvent se transformer en une pioche. Oh, j'adore. Attendez. Au choix. Attendez, j'ai pas vu. Bonus mania mort au choix. Choisissez comment vous l'utilisez en main. Outil de collecte, un dans chaque main ou à deux mains. Donc, comme on l'a vu ici. Donc ensuite, trop carré, il faut se détendre un petit peu. Les doubles pioches gratuites, couteau de plongée. Le petit skin Julie. Donc on a les boss qui sont revenus. Donc on a Julie, je vous montrerai après. De toute façon, on va lancer une petite game. Donc on a, voilà, des pioches qu'on pourra mettre aussi dans chaque main. Vous verrez, regardez. Hop là, voilà, très très beau. Ensuite, on a le hop, le homme. Donc c'est le planeur de Julie. Donc il est pas très très beau, mais bon, on kiffe. La petite amélioration errant du skin transit, je crois, si c'est ça. Ensuite, la petite danse du bout des pieds. C'est une danse mobile. Donc on est déjà au palier 54. Ça passe très très vite. Donc ensuite, on a le petit skin Kit. Donc c'est le bébé de Miaouz Clay en fait, qui s'occupe avec un petit robot. Donc moi j'adore, j'adore, franchement j'adore. Le planeur papate, ouais, pas ouf. La petite danse virtuose du clavier. Ça, on kiffe. Des griffes féroces, donc là on aura aussi, on pourrait les mettre à deux mains. Ah non. Ah si, un de chaque main. Donc là, ça va être à partir de maintenant. Voilà. Ouais, pas ouf, hein. Ensuite, des V-Bucks. Donc, on a 1500 V-Bucks au total avec le pass de combat. Donc, Arpenteur stellaire. Franchement, très très beau. Qu'est-ce que c'est? Un accessoire de dos, petite lune. Très très beau. Moi, je kiffe. Après, le petit skin Siona. Donc, avec des styles que je vous montrerai après. On a le planeur. Non! Non! Un planeur planète! Non! Oh, ça, je kiffe. Ensuite, la danse tempo planétaire. Fortnite, qu'est-ce que vous avez fait avec cette danse? Non, mais sérieux! C'est quoi de cette danse éclatée là? Bon, bref. Et on est déjà à la fin, donc les lames loyales. Oh là là! Vous le voyez arriver là, les deux. On a deux skins au palier 100. Oh! Le skin chevaleresse éternelle et le skin masqué. Ah, ça je crois que c'est. Attendez, c'est lui le skin que j'ai mis là. Le skin là. Ouais, c'est le skin là, mais au maximal. Donc les gars, on a fini avec le pass de combat. Dites-moi, notez, mettez une note sur 10. Ce que vous en pensez du pass de combat. Et on passe directement à la game. Donc les gars, on est directement dans la game Fortnite. Donc c'est parti. Donc on est avec le skin est stylé. Avouez que le skin est stylé. Donc là je suis avec mon Razer, mon clavier Razer. Donc voilà, il fait beaucoup de bruit. Donc je suis désolé les gars, mais voilà. J'essaye de me mettre au clavier souris. Bon, on va essayer de tenter le petit top 1 comme la dernière fois. Donc aussi, parce qu'on va en arrêter là-dessus pour la vidéo. Donc je vous présente la map, voilà l'autorité, la flottille. Donc là il y a des cyclones qui permettent de vous éjecter plus haut. Et puis voilà, je vais pas vous en dire plus pour pas que ça vous spoile trop. Et pas que dans les commentaires vous fassiez ouais tu nous as spoilé etc. Au moins je vous spoil pas. Même si je pense qu'il y en a qui voudront être spoilés. Bah n'hésitez pas à aller me voir. Je vais peut-être faire un live ce soir sur PlayStation par contre. Donc la qualité elle sera pas ouf. Et j'aurai pas les mêmes effets que d'habitude. Mais j'essaierai de faire un petit live sur PlayStation. Donc ma chaîne c'est Ayera Sazuko sur YouTube. Parce que je live pas encore sur Twitch.
avec ma PS4, j'ai pas encore tout configuré, etc. Donc je verrai si jamais aller dessus, n'hésitez pas à aller vous abonner en masse. Au moins vous et activer la cloche, au moins vous serez signifié si je fais un live. Et puis on se retrouve peut-être ce soir ou dans une prochaine vidéo. Moi je vous dis à la prochaine les amis. Ciao ciao.